you say something? Et bien bonjour à toutes et tous, c'est Laurent Blanc, comment allez-vous, boys and girls? Bienvenue aujourd'hui les amis sur Black Ops 4. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto musique zombie, et d'ailleurs le dernier de cette série, puisque nous nous attaquons à la dernière map, la 8ème, Mob of the Dead, non pas du tout, Sang des Morts, Blood of the Dead, hein. Bien sûr qu'il y a la suite de Sang des Morts, voilà, vous n'allez pas sans savoir que c'est donc sa suite, avec quelques petites extensions, c'est-à-dire la map, par exemple, ouest, le côté ouest de l'île, puis la maison du gardien, etc. Bref, absolument incroyable. Alors, pour activer la musique sur cette map, il y aura quelques variations, puisque nous devrons, avant toute chose, construire le bouclier spectral. Avant toute chose, il faudra donc setup sa game, puisque nous spawnons tout simplement du côté ouest de l'île, et donc, pour rejoindre Mob of the Dead, il faudra donc activer le courant. Une fois le courant activé, rendez-vous à la cour de récréation, comme j'aime bien l'appeler. Je vous conseille d'avoir votre spécialiste chargé, que ce soit les Feux de l'Enfer, les Ragnarok DG5, l'Exterminateur ou le Vent Tranchant. Ce sera beaucoup plus simple, voilà, pour passer tout simplement ce petit couloir de la mort. Et pour les plus anciens d'entre vous, vous le reconnaîtrez, le spawn de Mob of the Dead, ça y est, nous y sommes. Donc la première pièce se trouvera ici. Le premier emplacement se trouve dans la bibliothèque. Le deuxième emplacement se trouve sur Michigan Avenue, juste avant le port Sally et l'accès à la citadelle. Pour moi, il est ici, c'était la petite aura bleue à récupérer. Et pour le dernier et troisième emplacement, il se trouve au niveau de Times Square, à l'entrée près des douches. Une fois la première pièce du bouclier récupérée, nous devons donc nous atteler à la deuxième pièce. Donc il y a pareil trois emplacements contre des plaques de tôle et de bois au niveau des escaliers dans les tunnels de la citadelle. Contre des escaliers de pierre dans l'allée chinoise. Ou près d'un tas de crânes près de l'escalier là où ma pièce se trouvait. Une fois nos deux pièces récupérées, il nous faudra donc la troisième pièce qui est la clé du gardien. Il nous faudra donc activer le courant, ça fera spawn un gardien, le tuer, puis récupérer sa clé. Appuyez sur Select et regardez en bas à droite si vos trois pièces sont récupérées. Une fois notre bouclier construit, nous aurons tout simplement à récupérer des âmes avec le bouclier. Donc tout simplement, vous appuyez sur R2 comme pour tirer et vous verrez que la clé aspirera les âmes du zombie jusqu'à charger votre bouclier. Une fois votre bouclier chargé, rendez-vous devant le compteur, puis délivrez une charge spectrale, puis entrez le numéro 115 à l'aide de votre touche carré, donc 1, 1 et 5, et vous verrez que la musique s'activera. La musique de Sang des Morts est tout simplement un remix de Where Are We Going de Kevin Sherwood et Maluka, la musique originale de Mob of the Dead. Elle est un petit peu en version lyrique comme ça, j'aime bien, mais je préfère honnêtement l'original. Honnêtement, je suis plutôt content qu'ils aient quand même gardé la musique originale de Mob of the Dead, remixée certes, mais ça va avec Black Ops 4 bien évidemment. Ça donne quand même une bonne vibe de nostalgie par rapport à Black Ops 2. Et bien j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo sur les tutos musiques zombies, que vous avez peut-être découvert ou redécouvert des musiques zombies sur les différentes maps. En tout cas, c'était vraiment un gros kiff de faire ces vidéos. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'est l'emploi, à la prochaine. Ciao, bye bye.